Rien ! Mais vous me prenez ! Prenez. Ah non. Ah si. Non, non, s'il vous plaît, non. Non. Non, 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 non ! Le patron. Toi, bouge pas. Allô, oui, patron ? Oh tiens, on est en plein interrogatoire. Bon, le sujet est réticent, hein, mais on va le faire parler. Non, non, pas vraiment de résistance. Il n'est pas coopératif, il croit qu'on a une surprise pour son anniversaire ou je ne sais quoi d'autre. Il attendait à l'arrêt du bus, on a présumé que... dis-moi, Yann, t'as testé le son de ce mec pour être sûr que c'est bien lui ? On l'a pas fait. Mais quoi pour le faire, bande de dégénérés ? Yann, tu peux t'en occuper, s'il te plaît ? On le fait de suite. Ok. Désolé. Je vous l'avais dit. Oh, toi, ta gueule ! Faites quoi, là ? T'inquiète, c'est juste une petite prise de sang. Du sang ? Vous voulez du sang ? Vous voulez pas plutôt de l'urine ? Mais c'est qu'il a peur des piqûres, le petit ! Ouais, mais j'ai peut-être peur des piqûres, mais moi, je n'ai pas le moins de personne. Ah ! Voilà, respire. Hop. Alors ? Connard ! Merci. Oui, mais... En même temps, ça fait plus d'une heure qu'on t'attend, donc faut bien être patient. Après lui, ça fait depuis midi et demi. Et Fanny, là ? Je sais pas, il te cherche. Je vais l'appeler pour lui dire de revenir. Oui, patron, on est toujours à la recherche du suspect. Ah bah lui, on l'a relâché. Mais vous êtes complètement crétin. Non, c'était pas lui. Il n'avait que 99% de compatibilité. C'est toujours 30% de plus que les autres, espèce d'abruti. Ramenez-le-moi immédiatement. Non, 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 attendez. C'est pas... Non, non, j'ai voulu dire que... Oui, mais... Non. Allô ? Je suppose qu'on va le chercher. Ta gueule ! Et conduis ! Ok. On va où ? C'est mon génial quand même. Non, non, mais rien que la fin du film, c'est un sketch, le truc, le mec il se tire une balle dans la main.
Mais attends, faut dire le message. C'est un rejet de l'autorité, alors que le monde s'écroule autour de lui. Non, 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 mais cherche pas. Quand ça a le goût de la merde, que ça pue la merde, c'est que c'est de la merde. Ah chérie, dis-moi, t'as pas vu Fred, je trouve pas. Bah écoute, je vais laisser un message, j'espère qu'il a reçu. Ah bah ça doit être lui. Mais en fait, le film parle de quoi? En fait, c'est l'histoire d'un mec qui arrive à la gare de New York. Là, il y a une limousine qui vient chercher des mecs un peu bizarres, ouais, tu vois. Il leur met une mallette grise, mais il sait pas trop bien pourquoi. Et après, il y a une blonde, tu vois, qui arrive derrière la limousine qui marche avec lui. Ouais. Bizarre, tout le monde. C'est un peu qui a parlé, je veux quoi. Bon anniversaire, mon pote! Bon, après, jusqu'à la dernière minute, on n'était pas sûr de venir, alors du coup, on est venu de ma vie. Mais c'est pas grave, l'important, c'est que vous soyez venus. Arrête, que moi, c'est Lucie. La commune de Damien. Et vous, j'ai pas l'impression qu'on se connaisse, mais on s'est déjà vu, non? Bah oui, c'est le cousin gay de Mathias. Ah, le cousin gay de Mathias, Kevin. Oui. Et vous, vous faites quoi dans la vie? Vous connaissez Damien comment? Chérie. Tu peux bien me chercher un petit verre, s'il te plaît, hein, ce sera mieux. Ok, vous avez besoin de parler. Je vais vous laisser entre hommes. Merci, mon cœur. Si vous voulez. Elle est pas mal, hein? Si vous voulez. T'inquiète. On est venu te faire une proposition. Je peux refuser? Pas vraiment. Ok, je vous écoute. On va pas te déranger ce soir. Tu prends ça. Quand ça sonne, tu décroches. Pas une bonne soirée. Bah, ils sont partis tes copains? C'est dommage, ils avaient l'air cool. Et finalement, ils t'ont offert un cadeau. Ah oui.